strange sensations make me feel the pleasures of an old man. Pour un modique somme de 5 euros. Finir notre disque. Transformer le fils de l'homme le plus sage du monde en enfant terrible. Un body boy, il va être papa. D'être champion du monde. Ouais. Voilà, donc championnat du monde mois de septembre le 29. Donc à monter un show de beatbox pur, c'est-à-dire mettre le beatbox en avant, vachement, tu vois, au lieu de. Parce que c'est souvent mis au second plan. Le beatboxer beatbox, et il y a un MC, un chanteur, quelqu'un qui accompagne derrière par-dessus. Et là, justement, la démarche est de mettre le beatbox uniquement en avant. Voilà. Septembre, logiquement, sort l'album. Yes. Avant ça, déjà. Avant ça, donc avant ça. Mais, normalement, on met un maxi, 4 titres, si tout va bien. Et donc voilà, après l'album en septembre, et en espérant qu'il y ait une bonne tournée qui s'enchaîne, si possible à l'étranger, tout ça. Dans sérieux. Sérieusement, jouer. Honnêtement, la Légion d'honneur. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Tourner beaucoup. Ouais. Faire le pop dans le reste de l'Europe. Pourquoi pas dans le monde entier. Dans le monde. Ok, faut profiter avant 2012. Franchement, pas grand chose, ce serait bien qu'on ait un peu d'exposition. Juste après ce concert, déjà que ce concert marche et qu'on se dise tiens, c'était cool, c'était à l'occasion des Un Rock. Si on peut avoir au moins un numéro gratuit, hein, on peut le faire. Et un CD aussi. Et un CD, une compile. On est salaud, mais s'ils parlent de nous, on sera hyper content. Ouais. Je sais pas trop. En fait, on m'a invité dessus. Je ne connais pas. Pas le magazine à la base. Bon, donc les Un Rock, merci. C'est cool. Des Foreign Beggars, c'est des fous sur scène, c'est voilà. Bon, pour moi, c'est les claques de 2010. Les concerts.
Ah, bon, ben... Mais on allait pas au même. On va faire les pendentifs, les crânes les crânes. Le nôtre. Ouais, 2000. Les Movie Star Junkies et Ty Segall. Et Chad Van Galen. Numéro 1, Black Case. Okay. Pour lui, dernier album. Okay. Entre parenthèses. Moi j'aurais dit album, j'aurais dit ouais, Black Keys, j'aurais mis Joe and Casablanca. Numéro 1 des concerts, LCD Sound System. Ok. Ouais, c'est vrai. LCD, ouais. Moi je dirais Marvin, Sony Playback. Et un album 2010. This Are Our Snake. Non, Phoenix. Voilà, je sais pas si c'est sorti en 2010. Ouais. Angel, hyper fan. Ouais. Ah, ils se les blairont, putain, ils font les marques. Moi, je suis hyper fan, et je pense que je vais aller voir les mecs, alors ça va chez hyper fan. Ah, il y en a un sur les 13. Ah, le bassiste, en l'occurrence. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Non, okay. Plus sérieusement, enfin, génial. Enfin, moi, je suis hyper contente de jouer avec eux. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à dire, c'est génial, voilà, c'est tout. Voilà. Okay. Et pareil, allez, on ils paraît qu'ils font même pas du métal. Ils se sentent comme des machines alors que c'est des humains, ça n'a rien à voir. Vistille, défense. Moi je les aime tous. On dira jamais du bien des gens. On a un an de travail. En fait, on les aime bien. Après le shower, je valide, je kiffe. Okay. Et j'avais déjà vu aux sélections Printemps de Bourges en fait. Ouais. Et j'avais vachement apprécié, c'était assez original comme concept et tout. Et puis j'étais dedans quoi. J'ai agréablement surpris en premier quoi, quand j'ai vu ça pour la première fois. Et puis là, je les ai revus. Bon, j'ai kiffé pareil, j'ai validé. Et c'est cool. Ah, je sais pas, les gars. Tu connais, toi? Oh non. Non, arrêtez. Faut pas être méchant, c'est tous des potes. Non, c'est que des copains. Mais bon, okay. Heureusement qu'on est les meilleurs.